Bonjour, bonsoir, salut à tout le monde. Bienvenue dans le service d'aujourd'hui. Le service d'aujourd'hui, c'est la version française, la version anglaise. Notre tout premier stop que je suis en train de faire à la maison. C'est un studio de musique et un studio d'édition de vidéos à la fois. Je fais comprendre. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Veuillez tout à l'heure nous poser vos questions si vous êtes tout à l'heure pour répondre à vos questions. Vous aurez tout à l'heure besoin d'un MIDI keyboard. Un MIDI keyboard, ça vous permet de pouvoir manipuler les sons dans vos ordinateurs. C'est ça qu'on appelle MIDI keyboard. C'est ce que je suis en train d'utiliser ici. Logic Pro, Cubase, Ableton, Fruit Loops, n'importe quelle musique DAW que vous êtes en train d'utiliser, vous aurez besoin d'un clavier pour pouvoir manipuler le son dans le DAW qui se trouve dans votre ordinateur. Dans mon cas précis, j'ai acheté la Novation. C'est l'en bas qui est là, on appelle ça la Novation. Est-ce que je fais comprendre? La prochaine des choses que vous aurez besoin, ça sera une carte de son. Une carte de son pour pouvoir permettre de faire la rentre, l'enregistrement des sons dans votre ordinateur et de pouvoir écouter le son à travers les haut-parleurs que vous voyez ici, les Yamaha que vous voyez ici. En ce moment, vous avez besoin d'une carte de son qui est là. Moi, je suis en train d'étudier le Focusrite. Hein? Focusrite, c'est ce que je suis en train d'étudier. Il y a deux sorties derrière. Il y a une sortie qui est là, il y a une autre sortie qui est là. Et si vous avez une câble d'alimentation, il suffit juste de brancher le câble d'alimentation là. Là, vous êtes prêt à partir. Vous pouvez mettre la guitare au milieu si vous voulez. Et puis un microphone ici, si vous voulez, cela dépendra de vous. Et ici, vous allez mettre votre écouteur. Et en ce moment, il est très, très bon. Il est très, très bon pour le studio. Il est portable. Il a deux sorties. Deux sorties, c'est-à-dire une sortie gauche et une sortie droite. Tout dépendra de vous d'utiliser n'importe laquelle pour vos haut-parleurs. Après avoir branché les câbles et dans les sorties, partez une branchez-le derrière vos haut-parleurs. Dans ce cas, si je suis en train d'utiliser les haut-parleurs Yamaha. Et après cela, tournez la carte de son en face. Il y a aussi une rentrée de microphone en face. Branchez votre microphone, rassurez-vous que c'est bien branché et après cela, faites la configuration dans l'ordinateur. Vous êtes prêt à utiliser votre carte de son. Et voilà, c'est tout. Vous pouvez juste les mettre dans votre sac à dos avec celui-là et plus votre laptop. Et allez, à nous aller à la capitale, vous êtes prêt à jouer la musique. N'importe où vous voulez jouer la musique, que ce soit dans les chambres d'hôtel, que ce soit à n'importe quelle place, vous êtes prêt à enregistrer, à se faire comprendre. Donc, c'est ce que vous devez faire. Dotez-vous de ça pour un début. Lui, il est très, très bon. Il est moins cher, mais il vous donne une bonne qualité de son. Est-ce que je fais comprendre? Qui parle du tarissement doit parler aussi d'écouteurs pour pouvoir le porter afin de pouvoir enregistrer les sons et afin de pouvoir mixer les sons. Donc, dans ce cas, je suis en train d'utiliser le Scala Studio que vous voyez ici. C'est ce qui est dans ma main. Il est très confortable à porter. Je vais juste le porter. Si tu es en train de chanter, tu peux le porter et comme ça tu chantes. Ou bien si tu es en train de mixer, tu juste portes. Tu fais ton mix et après ça, tu l'enlèves. Je suis en train d'utiliser le Scala Studio, qu'est-ce que vous voyez là. Donc, je l'ai acheté en combo. En combo, c'est-à-dire, je l'ai acheté en paquet pour débuter en abord. C'est moins cher. Ça, c'est le but de cette vidéo. Acheter quelque chose qui est moins cher. Le microphone, les écouteurs et puis la carte de son. Tout ensemble, c'est moins cher et c'est facile à installer. Il suffit juste de faire la configuration avec ton ordinateur Mac ou l'ordinateur Windows, je vais comprendre. Ça dépendra de ton système d'opération. Le moniteur que je suis en train d'utiliser pour faire l'édition de vidéo, il s'appelle Asus et c'est celui que vous voyez ici, il s'appelle Asus. C'est un écran 4K, il est 100% RGB, il est 100% sRGB, il est 99% DCP i3 et il est compatible au REC 2020, c'est-à-dire au REC 2020, si je fais comprendre. Et lui, lorsque vous le recevez dans le carton, il est déjà pré-calibré, mais si vous voulez aussi, vous pouvez faire votre propre calibration par rapport à votre propre goût, si je fais comprendre. Et lui, il est 4-way ergonomique, c'est-à-dire il est 4 manières ergonomiques. Ça veut dire que vous pouvez le placer comme ça, vous pouvez le placer comme ça, vous pouvez le placer comme ça. N'importe quelle position vous donnez à cet écran, il sera capable une ou deux de le supporter. Hein? Que ce soit même si vous êtes en train de faire la correction des couleurs d'une photo, vous voulez le mettre en mode portrait, vous pouvez le mettre en mode portrait. Si c'est la vidéo, vous pouvez le mettre en mode paysage, comme vous le voyez derrière moi, il est en mode paysage. Il n'y a pas de problème, il se fait comprendre. N'importe quelle position que vous donnez à cet écran, il sera capable une ou deux de s'y adapter, il se fait comprendre. Et c'est ce qui est très bon, parce que c'est bon pour la gestion de l'espace dans le bureau, il se fait comprendre. Je suis en train d'utiliser un Dell GeForce RTX Intel Core i7. La mémoire elle est 16 GB. Je peux faire une mise à jour jusqu'à 32 GB si je le veux dans le futur. Mais pour le moment, les 16 GB, ils sont bons pour moi à faire l'édition des vidéos à 4K. Commencez tout le temps avec un laptop qui a au moins une mémoire de 16 GB. D'autres personnes vous le diront de commencer avec un laptop qui a au moins une RAM de 8 GB. Mais moi, je vais vous dire, commencez avec un laptop qui a au moins la RAM et au moins 16 GB, ça va vous épargner de beaucoup de problèmes lorsque vous êtes en train de faire l'édition des vidéos. Je vous fais comprendre.
Que ce soit vos vlogging, que ce soit les clips, il vous faut un drone. Dans ce cas précis, je suis en train d'utiliser le Mavic 2 Pro. Mavic 2 Pro en 2022, il y a certains qui vont dire pourquoi pas le Mavic 3. Parce que le Mavic Pro 3, il est très cher, il vaut 3 fois le coût du Mavic 2 Pro. Et donc le Mavic 2 Pro, il est bon d'avoir pour débutants, parce que vous serez capable d'avoir de bonnes images 4K et à un prix abordable. Est-ce que vous faites comprendre? Vous pouvez l'acheter en occasion, vous pouvez aller dans les magasins et demander s'il y a des stocks. Vous en cherchez parce que DJI a designé, arrêté la production de Mavic 2 Pro. Est-ce que vous faites comprendre? Il y a certains qui vont dire, je vais commencer par le Mini 3. Mini 3, c'est bon, mais les images de Mini 3 ne s'approchent pas au Mavic 2 Pro. Est-ce que vous faites comprendre? C'est ça la différence. Voilà pourquoi moi, je suis collé au Mavic 2 Pro. Je suis juste à une en bas de l'arbre ici, en train de piloter le drone sur des personnes qui sont en train de jouer le yoga. Et après cela, je vais faire descendre le drone, je l'attrape et puis je pars à la maison parce qu'il n'y a pas de restriction sur le drone, est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce que vous devez faire. D'abord, il suffit de faire le choix d'une couleur qui vous permettra de peindre votre studio. Le choix de la couleur va dépendre de deux raisons. Raison numéro 1, d'abord, ça doit être une couleur motivatrice. Une couleur motivatrice parce que vous serez tout à l'heure assis en train de travailler, que vous soyez seul ou que vous soyez deux personnes, trois personnes. Il faut que cette couleur soit capable de motiver, de créer un environnement de motivation. Est-ce que vous comprenez? Raison numéro 2, il va falloir choisir une couleur qui sera capable de matcher avec tous les instruments que vous allez amener dans le studio, que ce soit vos ordinateurs, vos écouteurs, vos haut-parleurs, vos PC, vos laptops, vos quoi que ce soit que vous amenez dans le studio. Il faut que ce soit capable de matcher avec cette couleur. Je fais comprendre. Donc, faites le choix en basant sur des raisons. Raison numéro 1, d'abord, une couleur motivatrice qui sera tout à l'heure en train de vous motiver. Raison numéro 2, il faut que cette couleur soit capable de matcher avec tous les instruments que vous amenez dans votre studio pour essayer de créer une sorte d'esthétique dans le studio. Je fais comprendre. Moi, par exemple, dans mon cas particulier, je suis allé prendre la couleur grise que je suis venu, j'ai peint le mur avec parce que c'est une couleur qui me motive le plus. Je fais comprendre. Donc c'est ce que vous devez faire. L'étape numéro 2 après la peinture du mur, la prochaine des choses que vous aurez besoin, ça sera un gestionnaire des câbles. Parce que vous ne voulez pas avoir des câbles qui traînent par terre ou au-dessus de la table. Est-ce que je fais comprendre? Tous ces instruments que vous voyez, vous voulez les acheter avec le câble d'alimentation électrique. Est-ce que je fais comprendre? Et en dehors de cela, vous avez besoin de câbles supplémentaires pour pouvoir faire l'interconnexion entre les appareils. Donc vous aurez beaucoup de câbles qui vont traîner sur la table ou bien qui vont traîner en bas de la table et vous ne voulez pas être dans ce genre de situation. Donc pour éviter cela, vous avez besoin d'un gestionnaire de câbles. C'est pour éviter les accidents de travail. Par exemple, je vais vous dire un exemple. Par exemple, si vous êtes par exemple sur cette table, il y a beaucoup de câbles qui traînent par là. Je mets un doigt à l'intérieur, c'est pendant que je suis en train de vous parler et par accident, par geste, je fais ma main comme ça. Il y a un câble qui est débranché, ma vidéo est coupée. Donc ça devient un accident de travail et ça vous met en retard. Donc, et vous voulez éviter ce genre d'accident. Ça peut être le pied, ça peut être la main, ça peut être n'importe quel mouvement ou bien quelque chose, il y a de l'eau qui tombe, qui traîne par terre, il y a des câbles qui ne sont pas bien isolés et ça va créer des problèmes. Donc dans ce sens, vous avez besoin de gestionnaire des câbles pour pouvoir bien mettre les câbles dans un seul lieu et les cacher quelque part. Est-ce que vous comprenez? Dans mon cas particulier, par exemple, je suis allé à IKEA, j'ai acheté un gestionnaire des câbles que j'ai ramené à la maison. Ce n'est pas difficile à installer. Il suffit juste de creuser deux trous derrière la table et le fixer en bas de façon très très dure. De façon très très dure pour que ça puisse nous rattraper tout le poids que vous allez y mettre dedans. Bon les gars, après ça va faire, je vois là comment est-ce que le résultat se trouve, c'est très très joli à voir, c'est bien organisé, il n'y a pas les câbles qui traînent au-dessus de la table. Tout est wireless, c'est smooth et nice. J'ai juste pris une et sur le ralentis que j'ai branché au mur, j'ai mis dans le gestionnaire des câbles que j'ai placé en dessus de la table et j'ai branché tous les autres appareils à l'intérieur, que ce soit mon monitor, mon speakers, mon computer, mon laptop, mes whatever. La troisième des choses qu'on va parler, ça sera absorber le son. Vous voulez un absorber de son dans votre studio juste après le mix pour pouvoir écouter le mix et pouvoir vous rassurer que les trappes et les basses, ils sont. Est-ce que je fais comprendre? Moi, je fais un mix en portant les casques, mais après avoir fait le mix, j'aime écouter le mix en dehors, dans la chambre. Ça, c'est la raison pour laquelle vous aurez besoin des absorbeurs de son. Est-ce que je fais comprendre? Au début, je suis allé faire des erreurs. Je suis allé acheter des absorbeurs de son qui étaient très, très épaisses, qui n'étaient pas à la hauteur d'absorber des sons. Je suis venu, j'ai collé au mur, mais lorsque j'ai fait le mix, il n'y avait aucune différence. Et ils ne sont pas faits pour les studios d'enregistrement, ils ne sont pas faits pour les studios de vidéo, si je comprends. Parce que l'épaisseur n'est pas tellement grande, si je fais comprendre. Donc, ce que vous devez faire, c'est de partir de chercher des absorbeurs de son qui sont au moins à d'épaisseur de 30 cm par 30 cm. Vous les achetez,
Mais lorsque vous les achetez, des fois, lorsqu'on les met dans les cartons, il y a certains qui seront compressés, il y a certains qui seront décompressés. Donc, vous voulez chercher une. Ceux qui sont compressés, vous voulez les décompresser pour les mettre au même niveau pour les utiliser dans votre studio. Et pour y faire, il va y falloir une eau, les plonger dans l'eau pendant 24 heures et après 24 heures, les enlever, les faire sécher pendant d'autres 24 heures. Ce qui va faire au tout temps, ça va faire 48 heures. Et après 48 heures, vous serez capable d'utiliser dans votre studio. Il suffit juste de les coller au mur ou est-ce que vous voulez les placer. Ça dépendra de l'ampleur du parleur, si vous faites qu'on parle. Vous pouvez aussi fabriquer le vôtre. Par exemple, dans mon cas particulier, j'ai juste pris le carton de ma télévision que j'ai pris. J'ai mis des trous. Et des trous parce que je veux que le son y pénètre. Lorsque le son pénètre à travers ces trous, ils vont cogner le mur à leur retour. Et ils seront trappés une eau dans la serviette que j'ai prise, une eau pour couvrir la devanture de ces trous. Est-ce que je fais comprendre? C'est ce que vous devez faire. Vous pouvez fabriquer le vôtre, une eau en utilisant le bois. Faites les quatre carrés, les cadres, une eau en bois. Et aussi, prenez des éponges comme cela, une eau, mettez dedans et puis prenez une serviette de votre couleur, de votre couleur préférée, une eau, couvrez la devanture et commencez à l'utiliser. Et je pense que c'est bon, je fais comprendre. J'ai juste fait une seule pierre pour du joli, c'est-à-dire dans le sens que ça va me servir de décoration, en même temps ça va me servir d'absorber le son dans le studio. C'est ce qui est très très joli, c'est ce que j'ai cherché tout à faire dans tout le mois, est-ce que je fais comprendre. J'avais eu aussi à placer des ampoules RGB derrière juste la table et au-dessus de la table et derrière mon écran parce que je cherchais juste à créer une séparation entre l'écran et le mur. Comme ça, lorsque j'allume l'ampoule RGB, ça va créer une bonne séparation entre le mur et l'écran et ça te donne une sorte d'esthétique, c'est ce que vous voulez, parce que ça vous rend content. En plus de ces absorbeurs de son, j'utilise celui-là pour faire les enregistrements vocaux et puis voilà, il est portable, vous pouvez le prendre avec vous en vacances de nos jours. Même avec un laptop, vous pouvez faire de la musique, vous pouvez enregistrer dans une cuisine si vous voulez. Par exemple, si vous voulez, même dans votre salon, vous pouvez le faire. Ou bien dans un appartement d'hôtel, vous pouvez le faire. Ça fait comme ça. Achetez-vous quelque chose comme ça. Je le tourne comme ça. Le voici. Voilà, il est hyper bon. Une petite souris que vous voyez dans ma main ici, celle-là il s'appelle Tagos. C'est ma souris que je suis en train d'utiliser pour le moment. Il n'est pas difficile à utiliser. Vous pouvez facilement cliquer à gauche, facilement cliquer à droite. Mais il n'est pas assez gros dans la main. Voilà le clavier que je suis en train d'utiliser, il s'appelle Salpito. Il est wireless, il n'y a pas de câble. Juste, je l'aime parce que lui, quand même, il est petit. Il ne prend pas beaucoup d'espace sur mon bureau. Et il n'y a pas de câble aussi qui est branché, donc il n'y a pas de câble qui traîne par-ci, par-là, je vais comprendre. Donc c'était tout par rapport à cette vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions à poser, posez-moi vos questions en bas. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le like button, abonnez-vous massivement et restez connectés pour votre vidéo prochaine. Merci beaucoup et au revoir.